Bonsoir, bienvenue à tous. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette rencontre avec Karine Thuil pour parler de La Décision. C'est votre 12e roman, puisqu'on s'en parlait tout à l'heure. Vous avez commencé à écrire tôt et à publier relativement tôt pour une écrivaine, vous un écrivain du reste. Aujourd'hui, vous êtes très installé dans le paysage littéraire. Votre dernier livre avant La Décision, c'était Les Choses Humaines, en 2019. Il a eu grand succès, le prix Interallié, je crois, le Goncourt des lycéens, si je ne me trompe pas. Il a été adapté au cinéma, le film est sorti cet automne. C'est Yvan Attal qui l'a réalisé. Et déjà, dans Les Choses Humaines, comme dans La Décision, vous en parliez d'une problématique très contemporaine et dans toute sa complexité, dans toute son ambiguïté. Et là, pour le coup, au centre de La Décision, il y a une femme qui s'appelle Alma Revel. Alors, plutôt que de faire, entre guillemets, le pitch, je vais vous citer. Pour présenter Alma Revel, je reprends les quelques lignes qui ouvrent le deuxième chapitre. Donc, j'ouvre les guillemets. Je me nomme Alma Revel, je suis née le 7 février 1967 à Paris, j'ai 49 ans. Je suis la fille unique de Robert Revel et Marianne Darrois, je suis de nationalité française, en instance de divorce, mère de 3 enfants. Je suis juge d'instruction antiterroriste. Il y a 3 mois, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques. Pour moi, ma famille et pour mon pays. Voilà, donc là, les enjeux sont posés. Et je précise juste, au départ de notre conversation, qu'il y a donc à la fois un arbitrage auquel elle doit procéder s'agissant d'un jeune homme qui s'appelle Abdeljalil Kassem, qui est parti en Syrie, qui est revenu de Syrie, et à son retour en France, il se fait arrêter. Et elle doit donc décider soit de le maintenir en prison, au risque qu'il se radicalise, soit de le libérer, au risque qu'il contribue à préparer des attentats. Donc ça, c'est le dilemme au plan professionnel. Mais par ailleurs, elle est aussi dans une situation de dilemme au plan personnel, puisqu'elle est mariée, et en même temps, elle a une liaison. Donc, on a l'impression d'une convergence, elle est face à 2 moments de vérité, en fait, dans son parcours. Alors, moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à une phrase de Henri Guénaud, qui n'est pas mon maître à penser, mais un jour, il a dit une phrase qui m'a marqué sur la politique. Il a dit « En politique, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des cas de conscience. » Et c'est vraiment la matière que vous explorez, dont vous faites une construction romanesque. C'est vraiment voilà, la façon dont des personnages sont en prise avec des options qui, aussi bien, je le disais, sur le plan professionnel et affectif, ne sont jamais pures ou parfaites. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de saisir des êtres au moment où ils vacillent, en fait, où ils sont fragilisés dans leur vie. Et ce personnage d'Alma Revel, cette juge d'instruction antiterroriste, est amenée dans son quotidien à prendre des décisions qui vont potentiellement avoir un impact sur la sécurité de la nation et qui est aussi fragilisée dans sa vie privée. Puisque, comme vous l'avez dit, effectivement, quand le livre s'ouvre, son couple se délite. Elle est mariée à Ezra Halevi, un ancien écrivain à succès qui avait eu le Goncourt très jeune. Mais surtout, comme vous l'avez dit, elle a une liaison, mais pas avec n'importe qui, puisqu'elle a une liaison avec un avocat, qui est un avocat de la défense, et qui représente Abdeljalil Kassem, donc le mis en cause, qui est de retour de Syrie, et elle gère ce dossier. Donc on est dans un conflit et un dilemme, un cas de conscience, effectivement, qui dépasse le cadre de son travail, mais qui a un impact aussi sur sa vie personnelle, sa réflexion, enfin ses dilemmes en tant que juge, en tant que femme, en tant que mère. Alors, on apprend beaucoup sur ce que c'est que d'être juge antiterroriste. C'est finalement, on parle beaucoup des juges dans les médias, mais on connaît mal leurs conditions de travail. On mesure que vous êtes beaucoup documenté. Comment vous avez procédé pour nous décrire de manière si précise la façon dont ils travaillent? Et comme vous le disiez, la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Je voudrais juste citer une phrase qui est très éloquente. À un moment, Alma dit « Si je relâchais un trafiquant, à l'époque où elle n'était pas encore juge antiterroriste, je savais qu'au pire, il allait trafiquer. Mais là, si je me trompe, des gens peuvent être tués à cause de moi. » Oui, il me semblait qu'on ne connaissait rien de ces hommes et ces femmes de l'ombre qui travaillent dans un très grand secret, dans la galerie antiterroriste à Paris.
Et j'ai eu envie, parce qu'on parlait, il me semblait qu'on parlait beaucoup des attentats, des auteurs d'attentats, qu'il y avait des portraits de victimes dans la presse, mais qu'on ne savait rien, en fait, de ceux qui dirigent les enquêtes, qui interrogent les mises en cause, alors soit à leur retour de Syrie, soit avant même qu'ils partent, quand ils sont interceptés, et soit aussi quand ils ont déjà commis des attentats. Et ce sont aussi des gens qui entendent les parties civiles, les victimes, les familles des auteurs des attentats. Enfin, finalement, c'est leur quotidien est extrêmement difficile et ils sont dans l'ombre. Donc, j'ai effectivement rencontré des juges d'instruction antiterroriste pour écrire ce livre, qui ont accepté de me raconter leur quotidien, dans la limite, bien sûr, des règles que leur impose leur déontologie, parce qu'ils sont, ils sont soumis au secret de l'instruction. Donc j'ai passé du temps avec eux. J'ai aussi rencontré un agent du renseignement, des avocats de djihadistes et des présidents de cours d'assises qui ont présidé des grands procès terroristes de ces dernières années. Donc c'est vrai que ça a été des rencontres passionnantes. Bon, j'ai eu la chance aussi de bénéficier de la confiance qui m'avait été accordée avec les choses humaines. Bon, moi, je suis juriste de formation. J'ai préparé une thèse de droit que je n'ai jamais soutenue. Donc, je pense que ça les a rassurés. Et puis, bon, pour les choses humaines, j'avais vraiment fait tout un travail sur la justice, sur la question du consentement et du viol. J'avais assisté à des procès d'assises pendant 2 ans. Donc, ça m'a permis aussi de pouvoir rencontrer ces acteurs du monde judiciaire et qui me fassent confiance. Et parce que j'avais vraiment besoin, pour écrire ce livre, d'être au plus près d'une réalité. Je crois qu'on ne peut pas écrire sur le quotidien du juge d'instruction antiterroriste si on ne sait pas comment elle vit, comment elle pense, quelle est sa peur. Ça, ce sont des choses que j'ai vraiment... Justement, moi, je me suis posé la question. Est-ce que c'est pas un sujet impressionnant? Est-ce que vous n'aviez pas peur, en fait, parce que les enjeux sont importants et on n'a pas trop le droit à l'erreur? J'ai pensé aussi à l'exercice du reportage, où on essaie vraiment d'être très rigoureux, on a toujours peur de commettre un contresens, de mal comprendre. Votre livre, il est très exposé. Vous avez eu cette peur-là ou... Alors, en fait, j'aime bien l'idée qu'on ait peur quand on écrit. Mm-hmm. Si on n'a pas peur, ça vaut pas pour moi, le roman sera raté. Donc, j'aime bien être déstabilisée, j'aime bien prendre des risques. Quand on travaille 2-3 ans sur un texte, on a besoin d'avoir peur. C'est une peur qui est quand même positive. Après, j'avais peur effectivement de trahir la confiance qui m'avait été donnée. J'avais peur parce que le sujet est très sensible et on est dans un contexte, en plus c'est le pur hasard en fait, parce que moi ça fait des années que je travaille sur ce sujet et je savais pas qu'il y aurait les procès du Bataclan. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on n'avait pas les dates à l'époque. Moi j'ai commencé à travailler fin 2018, tout début 2019 à travailler sur ce sujet, donc on savait absolument pas que les procès auraient lieu à ces dates-là. Donc c'est un pur hasard du calendrier, en fait. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le livre, il se passe en 2016. Oui, 2016. Donc, et on mesure bien pour cette juge antiterroriste, il y a une rupture en 2015. Les attentats, notamment les attentats du Bataclan, font qu'il y a une attente de la population qui est considérable. Oui. En fait, en 2012, après la tuerie perpétrée par Mohamed Merah, beaucoup de gens pensaient que ça serait un phénomène un peu isolé. Et quand il y a eu la vague d'attentats de 2015, pour les juges d'instruction antiterroristes se sont retrouvés en première ligne. Et elle le raconte d'ailleurs, Alma. Elle dit à partir de là, ça a été terrible parce que on maintenait en détention les gens, parce qu'on avait trop peur qu'il y ait un passage à l'acte. Tout d'un coup, il n'y avait plus de recul. C'était des attentats de très grande ampleur. Les services de renseignement n'avaient pas pu les déjouer. Et en fait, c'est comme s'ils découvraient un peu et la matière et la violence de ce qui était en train de se jouer au quotidien, qu'il fallait vraiment être actif et réactif au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette période, parce que c'est la période sans doute où ces juges ont été le plus exposés. Et mon personnage, elle est coordonnatrice du service, donc elle dirige... ils n'aiment pas ce terme de diriger, mais disons, elle coordonne, parce qu'ils sont très indépendants, les magistrats. Donc, elle coordonne une équipe de magistrats indépendants, ils sont 12.
Et donc, ils sont tous en première ligne avec des décisions extrêmement difficiles à prendre au quotidien. Et puis aussi, une peur diffuse qui ne vous lâche pas, elle le raconte. Elle raconte que quand elle apprend qu'un attentat a été commis, elle appelle ses collègues parce qu'ils ont toujours peur que c'est un de leurs mises en cause qui ait commis l'attentat. Et ça, il faut bien comprendre la difficulté que c'est. On le comprend tout à fait en lisant votre livre. Mais ça, par exemple, moi, je ne l'imaginais pas. Avant de lire votre livre, je ne mesurais pas la pression folle. Et la grande question aussi, c'est comment, quand on est père, mère, homme ou femme, on concilie aussi la vie privée et cette vie professionnelle d'une extrême intensité où la peur ne vous quitte jamais, donc la peur de l'attentat, mais aussi les menaces, parce que ce sont des gens qui sont menacés au quotidien. Ils ont deux officiers de sécurité en permanence qui les suivent. Et donc, elle a peur pour elle, elle a peur pour ses enfants. Et elle dit, je me suis habituée à la peur de mourir, mais je ne me suis jamais habituée à la haine. Parce qu'il faut aussi, elle le raconte, dans son bureau, elle reçoit quotidiennement des jeunes français qui haïssent la France et qui appellent parfois aussi au meurtre de ce qu'ils appellent les mécréants. Et elle doit composer avec cette haine, avec cette peur. Et elle se demande sans cesse qu'est-ce qui a échoué dans notre récit républicain pour qu'il ne parvienne plus à unir collectivement les citoyens de ce pays. Et alors, l'une de ses peurs aussi, c'est de devenir machinal. Ça, Alma l'explique bien. Je vais citer l'une de nos grandes peurs. Justement, elle utilise le mot peur. En tant que juge, c'est de céder à une gestion mécanique de nos dossiers. On est face à des gens qui attendent de nous la justice. Il ne faut jamais considérer l'autre comme un ennemi social, mais plutôt comme l'acteur de sa réhabilitation. Donc là, on sent qu'il y a la part d'idéal aussi qui l'anime. Et on a l'impression que elle se protège de ce risque de devenir robotique un peu dans les décisions qu'elle prend, en restant quand même assez sensible, ce qu'elle est moins peut-être dans sa vie personnelle. J'ai l'impression que dans sa vie personnelle, elle est moins à l'aise avec les émotions. Oui, peut-être qu'il y a une forme de défaite dans sa vie personnelle, puisque son couple se délite, et puis dans sa vie professionnelle. Sa vie professionnelle est quand même, j'allais dire, toute sa vie, mais presque, en fait. Bon, il y a ses enfants, effectivement, qu'elle aime, mais qu'elle ne voit pas autant, mais sinon, son investissement, effectivement, est très important. Et quasi elle a peu d'amis. Elle a peu d'amis, oui, parce que c'est une fonction qui vous accapare complètement, en fait. Vous quittez le bureau vers 19h30 et elle a encore en tête ses dossiers. Quand elle rentre, elle doit préparer les interrogatoires pour le lendemain, tout en restant, comme vous l'avez dit, très humaine, très attentive à ce qui va se jouer, parce que elle prend des décisions qui vont changer la vie des gens, et parfois de gens très jeunes. Elle a dans son bureau des gens qui ont 16 ans, 17 ans, et donc elle se demande toujours si cette décision de les maintenir en détention ne va pas les détruire à tout jamais. Donc il y a ce rapport à... Enfin, l'idée qu'on doit rester juste, elle le dit d'ailleurs, rendre une décision injuste, c'est ce qu'il y a de pire. Donc rester juste et rester humaine, elle le dit, je ne veux pas considérer les gens que j'ai en face de moi comme des monstres. Alors jusqu'au jour où elle a aussi, elle peut avoir aussi des auteurs d'attentats très violents, et là, la perspective effectivement change, parce que ses collègues le lui racontent, dans ces cas-là, on peut être ébranlé par l'interrogatoire lui-même quand on a face à soi quelqu'un qui a commis un attentat de très grande ampleur. Et la difficulté de sa tâche aussi, c'est qu'on a l'impression que ces jeunes gens ne mesurent pas les conséquences de leur acte. Donc, en termes de responsabilité, c'est compliqué. En fait, elle le dit. Elle dit qu'elle pense que le djihadisme, c'est une sorte de phénomène sectaire. Et donc, il y a un embrigadement. Elle a face à elle des jeunes qui ne regrettent pas d'avoir commis ces actes. Et qui même s'en glorifient. Alors, il y a ceux qui recherchent la mort et qui ont cette pulsion de mort et qui veulent mourir en martyr. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas tués au moment des attentats. Mais qui assument leurs actes. En général, les repentis, c'est plutôt des retours de Syrie, des gens qui vous disent « je regrette d'être parti, non, je n'étais pas un combattant, je vous le promets ». Mais une fois qu'ils sont passés à l'acte, ils assument pleinement leurs actes, en fait.
Alors, je dis, Alma, elle a 49 ans, c'est ça. Hein. Et elle est, y a la pulsion de mort à travers ces attentats. Et par ailleurs, au plan personnel, elle retombe amoureuse. Donc là, il y a le désir, c'est la pulsion de vie. Elle chemine entre ces deux, comment dire, ces deux élans qui sont très puissants à ce moment de sa vie. Oui, je pense que c'était nécessaire dans le roman parce que c'est quand même un sujet assez lourd et il fallait opposer à cette pulsion de mort qui est omniprésente sur ce sujet une pulsion de vie. Donc j'aimais bien effectivement l'idée que cette femme vive une passion amoureuse. En plus, ça rajoutait du conflit au roman puisque cette passion amoureuse, elle la vit avec un avocat. Et on la voit justement un peu fragilisée, c'est-à-dire que dans son univers professionnel, elle est très corsetée, elle se contrôle, elle surveille ses moindres faits et gestes, elle a toujours peur d'ailleurs d'être manipulée aussi par les avocats. Et dans sa vie privée, on la voit Elle céder à une injonction s'abandonne. amoureuse, être très fragilisée, et puis aussi confrontée à la question de la décision, parce que ce livre n'aborde pas seulement la question de l'antiterrorisme, mais aussi la question plus largement des décisions que l'on prend dans nos vies et comment ces décisions peuvent avoir des conséquences. Alors, réversible ou non, et y compris des conséquences sur les autres, puisque elle raconte qu'elle a très peur de prendre cette décision de divorcer, parce qu'elle a peur que ça ait un impact très négatif sur ses enfants, elle a peur de faire souffrir son mari, et égoïstement aussi, elle a peur de perdre son équilibre, parce que quand on fait un tel métier, on a besoin d'avoir quand même une vie Très structuré. relativement rangée et structurée, pour pouvoir supporter des événements aussi déstructurants. Parce qu'il faut aussi dire que dans son quotidien, elle visionne aussi beaucoup d'images de violence. Elle entend des récits de violence, mais elle visionne des images de violence, des images des attentats. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre là-dessus. Donc des images des attentats, donc des images que nous ne verrons pas, mais elle les voit quotidiennement. Mais aussi des images de décapitation, des vidéos de propagande de Daesh, en fait. Elle doit aussi en connaître le contenu. Donc, à la fin de la journée, comment est-ce que vous redevenez une épouse, une mère, une amante et quelqu'un de disponible pour les autres quand votre cerveau a été littéralement accaparé par cette noirceur? Et elle est très amoureuse. C'est vraiment aussi une histoire d'amour. Oui, c'est une très grande histoire d'amour. Et puis, elle a face à elle un homme, cet avocat, donc Manuel Emmanuel. Forest. Qui est quelqu'un d'assez imprévisible, d'instable, qui est le vrai, enfin l'incarnation de l'avocat de la défense comme on l'imagine, très attaché à son métier, donc qui est prêt à défendre des terroristes parce qu'il considère, comme disait Jean-Denis Brodin, que l'avocat doit être aux côtés de tous et même du pire d'entre nous. Donc il y a cette incarnation-là et donc en fait elle. J'allais dire pour elle, c'est le pire choix parce que, effectivement, à la fois, non seulement c'est un avocat, mais en plus, c'est un avocat très engagé. Et il y a un moment où elle se demande est-ce qu'elle est manipulée, est-ce qu'elle est vraiment aimée? Encore une fois, moi, c'est. je pensais que c'était pas possible en fait. Vous voyez, qu'une juge ait une liaison avec. Alors en fait, ce n'est pas. Il n'y a rien voilà, qui si j'ai l'interdit. appris en lisant votre Oui, livre. je l'ai découvert moi aussi. Donc il n'y a rien qui l'interdit. Après, déontologiquement, ce n'est pas l'idéal, en particulier quand c'est l'avocat du mis en cause. Bon, dans ce cas-là, normalement, elle aurait dû ce qu'on appelle se déporter, c'est-à-dire transmettre le dossier à un autre collègue en lui disant, voilà, moi, je suis jugée partie, donc je ne peux pas défendre ce dossier. Mais elle veut tellement garder la maîtrise. Sur son travail, et lui ne veut pas non plus renoncer à ce dossier. Et à un moment où il y a presque un rapport de force, c'est-à-dire elle se dit pourquoi moi j'abandonnerais ce dossier, lui et pas lui. Et puis en plus, elle n'a pas encore vraiment pris sa décision à savoir est-ce qu'elle va divorcer ou pas. Donc il y a ce moment de flottement, mais non, rien n'interdit une telle liaison. Alors il y a le point de vue de la juge dans ce roman. Mais pardon, aussi le point de vue des accusés, finalement, parce qu'on les entend, on les lit. Et vous avez fait du droit. Alors, vous ne souhaitiez pas forcément devenir avocate. Vous Non. parliez tout à l'heure de Jean-Denis Bredin, l'idée qu'il faut quand même aider le pire d'entre nous. Hein, on sent que ça vous anime aussi d'entendre aussi les accusés, de leur donner aussi le. Oui, c'est vrai que j'avais commencé à travailler de cette façon pour sur mon livre Les choses humaines. En fait, pour moi, l'idée de la justice, c'est justement
accepter l'ambiguïté et la complexité humaine. À partir du moment où on veut des conclusions binaires sur les êtres, je pense qu'on juge mal et je pense qu'on se trompe, y compris sur, et en particulier sur des sujets extrêmement sensibles, comme justement la question du consentement pour les choses humaines, où j'avais choisi de me placer dans la tête de des membres d'une famille dont le fils était accusé de viol, parce qu'il me semblait que c'était un point de vue qu'on ne connaissait pas. Et donc, je suis allée assister à des procès. Et on oublie qu'en France, le procès pénal, c'est le procès de l'accusé. C'est pas la victime, normalement, qui a le premier rôle. La victime, elle est effacée au cours du procès pénal. Et ces dernières années, les choses ont changé et on a donné aux victimes une plus grande place. Et notamment, on le voit au procès du Bataclan, où les victimes ont pu s'exprimer pendant longtemps et autant qu'elles le désiraient. Mais, et ça, c'est bien. Voilà, et ça, c'est très bien. Les victimes n'étaient pas considérées. Ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de pouvoir, sur les questions qui touchent à l'humain, en fait, de pouvoir ramener un peu de complexité, parce que tout dans la société tend... oui, au jugement péremptoire, et les réseaux sociaux ont aussi favorisé ces mouvements parce qu'on est sommé de donner son avis très vite, à brûle pour point, sans réflexion. Et moi, j'aime bien le temps long, alors peut-être parce que je suis romancière aussi, la nuance, le débat contradictoire, parce que pour moi, c'est ça l'incarnation de la démocratie, c'est pouvoir exprimer aussi des positions contraires, y compris sur des sujets aussi sensibles, parce que je crois qu'on ne peut pas faire évoluer la société sur ces questions si on n'entend pas toutes les parties en présence. On peut mieux d'ailleurs les combattre la violence en écoutant aussi ceux qui la commettent et la pratiquent. Oui, je sais que vous admirez beaucoup Philippe Roth. Et c'est vrai que le roman, et en particulier quand il est... pratiqué par des romanciers comme Philippe Roth, nous invite vraiment à la nuance et à la singularité. Il l'a écrit avec un roman comme La Tâche. Il disait La Tâche est constitutive de tout être humain et que le fantasme de pureté est terrifiant. Donc on tend à approcher à une forme de perfection, en tout cas de justesse, mais la vie est telle que au cours d'une existence, il y a des évolutions. Et d'ailleurs, à travers même le parcours d'Abdeljalil Kassem, on le voit. Hein, c'était puisque dans les interrogatoires, il se dévoile et on voit un parcours d'une enfance saccagé, avec un père violent, une mère démissionnaire. Et puis, tout d'un coup, la rencontre avec un idéologue islamiste qui va vraiment l'embrigader. Hein. Moi, je préfère ce terme à radicaliser, comme beaucoup de juges. Et il va, comme c'est un phénomène sectaire, il va être contaminé par cette violence. Mais c'est intéressant, je crois, de comprendre aussi ce qui peut mener justement des personnes nées en France tout d'un coup à sombrer dans cette violence et à prendre un jour la décision terrible de tuer leurs concitoyens. Et c'est pour ça que dans la forme, vous avez choisi d'intercaler des extraits d'interrogatoire entre les chapitres. En fait, je savais dès le départ qu'il fallait vraiment être dans l'intimité de cette juge, de cette femme, pour bien la comprendre, pour bien la cerner. Et dans le même temps, j'avais besoin qu'il y ait, j'aime beaucoup les pièces de procédure, enfin intégrer aussi dans le livre d'autres formes littéraires. Je considère que ça devient des formes littéraires, donc, et aussi d'autres langages. C'est-à-dire qu'il y ait des ruptures. On a d'un côté la langue de la juge, et puis tout d'un coup, on a la langue de ce jeune djihadiste. Et il me semble que ça crée un équilibre qui est intéressant parce que à la fois on a cette femme qui nous raconte son quotidien à la première personne des violences à la première personne et puis juste après on a l'origine de la violence, j'allais dire pourquoi le départ en Syrie, qu'est-ce qui a mené à ce départ, et puis après la grande question de la confiance, est-ce que ce jeune homme pratique la taqiya, la dissimulation, est-ce qu'il ment quand il dit qu'il est un repenti, ou est-ce qu'elle doit le croire et lui donner une chance, sachant qu'il est jeune, qu'il vient d'avoir un bébé, et que sa femme, elle, est placée sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'elle est libre, mais elle doit pointer au commissariat. Et d'ailleurs, même dans la décision qu'elle prend, en fait, quand on dit libération, en fait, elle le place sous contrôle judiciaire. Il est libre de ses mouvements, mais il doit quand même pointer au commissariat tous les jours. Et alors, il y a un autre personnage, c'est le mari de la narratrice, qui est un écrivain qui a eu
son heure de gloire, qui est le prix Goncourt, je crois, hein, c'est ça. Et bon, il a moins de succès. Le couple, comme vous le disiez, s'effiloche. Et il se, comment dire, il se replie quand même hein, sur son judaïsme. Pourquoi? En fait, j'avais envie de décrire un couple mixte qui se délite. J'avais envie de raconter finalement comment les fractures identitaires de la société française pouvaient finalement s'étendre jusqu'à la sphère privée. Et lui, c'est un homme qui vient d'un milieu juif orthodoxe et qui, pour épouser cette femme, a coupé les ponts avec sa famille, qui n'a pas accepté ce mariage avec une femme qui n'était pas juive. Et 20 ans plus tard, il reproche à sa femme finalement toutes les raisons pour lesquelles il l'a aimée en fait. Et là, il fait un retour à la foi de ses pères, un retour aux religieux. Il lui reproche de ne pas avoir élevé leurs enfants dans la religion juive. Et on sent une vraie cassure dans ce couple. Parce qu'il y a, il y a une incompréhension, il y a des reproches, il y a une rupture même de l'intimité entre eux. Et j'avais envie, à travers ce personnage, donc à la fois d'aborder la question de la mixité, mais aussi du rapport à la foi. Parce que dans un premier temps, bon, vous parlez de repli, c'est vrai que de l'extérieur, c'est ce qu'on pense quand, oui, on, quand on le ça, lit. Il y a un jugement de valeur dans mais en réalité, lui, le vit différemment. Un ressourcement pour lui. Voilà. Pour lui, ce retour à la foi, c'est un besoin de transcendance, de spiritualité. Et j'avais envie quand même dans ce livre d'évoquer ce rapport à la foi. Parce qu'au départ, avant qu'elle ne mène au repli, avant qu'il ne mène à la violence, et il peut aussi être sublimé, hein, ça peut être quelque chose de totalement différent. Puis en tout cas, lui, Ezra, ne le vit pas de cette façon. Il y a ce besoin chez certains individus, à différents moments de leur vie, d'avoir ce rapport, ce besoin de spiritualité. Et moi, je trouve ça plutôt noble, en fait. C'est ce qu'on en fait de cette quête de spiritualité. Mais au départ, cette quête de sens, cette quête d'un rapport à la spiritualité, voire même d'une forme de fraternité dans une communauté, c'est quelque chose que je trouve assez beau. Mais après, ça peut être... malheureusement transformé en autre chose. Mais à travers ces personnages, j'essaye d'aborder aussi cette question-là. Et là, il y a eu une inspiration, je crois, pour le personnage d'Ezra. Non, je pensais à Benny Lévy. Oui. Alors, notamment, j'aimais bien, puisqu'en fait, Alma est la fille d'un militant d'extrême gauche qui était proche de Pierre Goldman. Donc, j'avais envie de raconter les mouvements d'extrême gauche de ces années-là. Enfin, c'est vraiment quelques lignes. Et puis, j'avais été très marquée dans le parcours de Pierre Goldman, de la même génération que Benny Lévy, alias Pierre Victor, qui était donc le secrétaire particulier de Sartre, et qui, j'allais dire quasiment du jour au lendemain, a eu un revirement et est devenu un juif orthodoxe qui est parti vivre à Jérusalem pour étudier les textes. Et ça m'avait beaucoup marqué. Alors d'ailleurs, les journalistes résument toujours en disant de Mao à Moïse. Ça m'avait toujours marqué le parcours de cet homme qui était tellement militant et puis totalement déjudaïsé, même enfin qui n'aimait pas du tout le religieux. Il y avait rien de religieux dans sa vie et qui un jour, de manière assez assez étrange, a eu ce revirement identitaire radical, parce qu'il a même rejeté toutes ses connaissances passées. Il disait « je regrette d'avoir étudié Platon et il préconisait même l'abandon. » C'est vertigineux. Oui, c'était vraiment un revirement radical. Et vous, la religion, elle a une place dans votre existence ou... Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez intime, donc j'en parle. D'accord. Non, mais culturellement, peut-être ou... Moi, je viens d'un milieu plutôt laïque. Alors c'est intéressant, oui, pour revenir justement au livre, c'est que moi, j'ai été élevée par... mes parents sont des Juifs d'Afrique du Nord. Et quand ils sont arrivés en France à l'âge de 18 ans, c'était très important pour eux de pas seulement de s'intégrer, en fait, mais de s'assimiler. Donc c'est vrai que la religion, c'était quelque chose qui relevait de la sphère privée. Mais dans la sphère publique, on était français. L'identité passait dans un second plan. Ce qui signifiait aussi, d'une certaine façon, être privé aussi d'une partie de son patrimoine, parce que bon, moi, ça ne les intéressait pas du tout. Ils étaient très, très laïcs.
Et c'est intéressant de voir que ce modèle a complètement évolué, voire a été rejeté par les générations suivantes, puisqu'aujourd'hui, on assiste dans la société française à des revendications identitaires extrêmement fortes. Mais avant, ça se passait comme ça. Et en plus, j'ai envie de dire, moi, je pense que ça se passait plutôt bien. Mais voilà, c'était un modèle comme un autre. Alors, on va parler un peu de vous, de votre parcours. De vos influences aussi, donc on parlait de Philip Roth tout à l'heure. J'ai lu aussi que vous aviez beaucoup d'admiration pour John Didion. Il y a un recueil d'ailleurs de ces textes qui vient d'être publié. Pourquoi John Didion en particulier ? En fait, d'une manière générale, pour tous ces écrivains qui sont proches aussi du journalisme d'investigation, qui c'est ce qu'on appelle la littérature du réel, même si moi ça reste toujours très romancé. Ce n'est jamais des récits que j'écris, mais j'aime bien l'idée qu'on se nourrisse aussi de ce qui se passe dans la société, même quand Truman Capote écrit De sang-froid, enfin, pour moi c'est un des plus grands livres sur ce sujet, donc qui s'empare d'un fait divers et qui l'écrit avec tellement d'ardeur. Donc j'aime bien le travail de ces écrivains qui vont sur le terrain, parce que moi je travaille ainsi depuis quelques années, et je pense que si on veut raconter vraiment la société telle qu'elle est, être au plus près d'une vérité intime des êtres, on a besoin quand même de se confronter à eux, même s'il y a une très grande part d'imagination. Vous avez besoin de comprendre comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils vivent. Et l'avantage du métier d'écrivain par rapport au métier de journaliste, c'est que les gens vous parlent plus facilement, en fait. Ah oui, parce qu'ils savent que ça. D'abord, voilà, il y a le prisme, ça va passer à travers le filtre de la fiction, enfin dans mon cas. Et puis, je sais pas, il y a beaucoup plus de confiance, en fait. Et il y a l'idée, je crois, pour les personnes qui se confient à vous, que peut-être vous allez raconter et dévoiler quelque chose de leur vécu qu'ils ne pourraient pas raconter eux-mêmes, alors qu'un journaliste, il doit rester beaucoup plus objectif, beaucoup plus factuel. Moi, je peux y mettre de l'émotion, je peux évoquer des choses beaucoup plus, même secrètes, en fait, qui ne confieraient pas à un journaliste. Et donc, j'aime bien cette position d'écrivain romancière du réel, donc à la fois nourrie par ces grands auteurs journalistes. Et d'une certaine façon, je pense que Emmanuel Carrère, par exemple, travaille comme ça. Et Michel Houellebecq, même si, comme moi, il choisit la fiction, il travaille comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, dans son dernier livre... Qui est sorti le même jour que le vôtre. Voilà, qui est sorti le même jour que moi. À la fin du livre, il remercie les gens en disant oui, je conseille aux écrivains d'aller à la rencontre des autres, de mener leur enquête pour nourrir leur texte. Et je suis assez d'accord avec cette idée. Oui, alors, c'était une question que j'avais prévu de vous poser sur le journalisme et le reportage. Je me suis dit, c'est un exercice auquel vous vous êtes jamais livré, d'écrire, de faire des papiers, des reportages pour... C'est une bonne question. En marge de votre activité de romancière. Non, c'était souvent sous forme de nouvelles, mais sinon, j'ai jamais fait du reportage. C'est vrai que la richesse du roman, c'est qu'il y a aussi cette part d'imaginaire qui vous permet en fait de tout dire. Moi, ce qui me gêne un peu dans la société, justement, c'est parfois la tendance au politiquement correct. Il y a des sujets qui deviennent tabous, on n'ose plus les aborder par peur d'être attaqué. Et l'avantage du roman, c'est qu'à travers les personnages, vous pouvez absolument tout dire. Si je restais trop collée au récit, on se dirait ces personnages sont réels, donc elle cite des gens qu'elle a rencontrés, ça peut être gênant. Et il y a une façon de museler sa parole. Et là, pour le roman, en fait, vous êtes totalement libre, puisqu'il suffit que vous entendiez quelque chose, vous pouvez, à travers la voix d'un personnage, l'intégrer. Et finalement, peut-être que le roman est l'un des derniers grands espaces vraiment, vraiment démocratiques, enfin, avec d'autres formes d'art, comme le cinéma, mais puisque, par la voix de vos personnages, vous pouvez absolument tout dire. Alors, vous parlez du cinéma, Les choses humaines, donc, a été adapté. Je pense que ce livre va l'être aussi. Vous avez déjà été contacté pour les droits par des oui. producteurs ? Oui, ça ne m'étonne pas. Et donc ça va se faire ? Je n'ai pas encore décidé ni cédé les droits, mais oui, j'ai eu des propositions. Réalisez-vous-même l'adaptation du livre ? C'est un projet auquel vous pourriez penser ou pas du tout ? Alors j'adore le cinéma et j'aurais vraiment aimé réaliser un film, mais j'avoue que écrire un livre comme celui-là, ça me prend quand même. Deux, trois ans à temps plein, puisque c'est quand même... ça paraît fluide à la lecture, mais c'est quand même beaucoup de travail aussi. Bah justement, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail. Et je sais que si je veux continuer à travailler de cette façon, il faut pas que
Enfin, un film, c'est quand même 3-4 ans de travail. Donc, il faut faire des choix et je préfère ma carrière de Et romancière. on peut penser aussi au format de la série, parce qu'en plus, le découpage du livre fait que ça, on le visualise tout à fait, les séquences d'interrogatoire, les flashbacks. Ça, la série, scénariser une série, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas du tout? Alors là, je travaille en ce moment sur l'adaptation en série de L'invention de nos vies. D'accord. Mais c'est beaucoup de travail, donc mais je vais travailler avec quelqu'un, donc voilà. Après, quand on écrit, c'est pas du tout. Enfin, moi, j'y pense jamais. Mais c'est vrai que comme je fais une enquête, je rencontre des gens, je vois des situations où on m'en parle, et donc ça reste quand même extrêmement visuel. Et j'ai souvent besoin de me représenter les scènes pour les décrire. Et à la fin, mon roman est visuel. Et puis, j'aime aussi entraîner le lecteur. Dans un univers, en essayant d'être un peu parfois descriptive ou au moins dans la psychologie des personnages, qu'il ait le sentiment qu'il y est en fait. Et j'avais travaillé de cette façon pour les choses humaines, où le lecteur avait enfin, été placé dans la position d'un juré d'assises. Hein, quand vous lisez, vous vous dites, c'est moi qui vais devoir Décider. décider aussi. Et là, c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de gens me disent, j'ai l'impression d'être cette juge, et j'ai l'impression d'être soumis à ces dilemmes et de devoir prendre cette Absolument. décision. Et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup parce que je vois que, en fait, ils ont de l'indulgence aussi, parce qu'ils comprennent quel est son quotidien. Ils finissent par s'identifier en fait à elle et aux autres juges d'instruction. Et vous avez eu des retours des juges antiterroristes que vous avez sondés, interviewés pour la préparation du livre? Ils l'ont lu, le livre? Oui, ils l'ont lu. Alors après, c'est difficile pour moi de m'exprimer en leur C'est des nom. retours positifs? Oui, je crois qu'ils ont été contents du résultat. C'était aussi, un défi, enfin, difficile aussi pour eux de m'accorder cette confiance. Mais je préférerais qu'ils s'expriment si un jour ils ont la possibilité de le faire. Je veux pas parler en leur nom. Mais par contre, pour moi, c'est vrai que ça a été une aventure littéraire, mais aussi humaine, en fait, de rencontrer des gens pour lesquels j'avais une très très grande estime, parce que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les magistrats. D'ailleurs, il y a eu une tribune il n'y a pas très longtemps sur qui dénonçait leurs conditions de travail, parce qu'une de leurs consœurs s'était suicidée, malheureusement, sous la charge de travail. Et d'ailleurs, je recommande, il y a eu un documentaire du journaliste Mathieu Delahousse sur ce sujet, sur la souffrance des magistrats. Et pour moi, c'est un vrai sujet, et c'est aussi leur redonner leur place dans la société, parce que ce sont quand même des acteurs clés de notre société. Oui, et puis très très souvent critiqué, avec des arguments parfois très populistes et Ben, en très fait, faciles. malheureusement, ils doivent prendre des décisions dans un temps aussi très Avec des moyens réduit. très On leur demande contraints. d'aller toujours plus vite, avec de moins en moins de moyens, et c'est en fait impossible. Et y compris pour la justice antiterroriste, quand vous regardez le temps qu'il y a entre le moment où des faits sont commis et où le procès a lieu, il se passe plusieurs années. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre choix, puisque chaque magistrat antiterroriste a 40 dossiers, c'est énorme. Donc, si vous voulez bien faire votre travail, ça, évidemment, ça va prendre du temps. Et dans l'écriture, comment vous vous organisez entre les moments d'enquête, les moments de mise en forme? Est-ce que vous êtes très discipliné, vous avez des rituels, ou au contraire, Alors c'est... là, je ne savais déjà absolument pas où ça allait me mener, puisque c'était un intérêt au départ pour cette matière, mais je ne savais pas si des juges allaient accepter de m'aider. Donc, j'ai tâtonné pendant quand même assez longtemps. Et puis moi, j'alterne, en fait. J'écris, en fait, je choisis jamais vraiment un sujet. Je commence à travailler sur différentes thématiques, ou parfois c'est des rencontres qui me nourrissent. Et à un moment donné, il y a un sujet ou une thématique ou Ah une oui. rencontre qui s'impose. Ah oui, Mais c'est c'est pas au assez début du mystérieux. processus. Non, D'accord. je ne me dis pas je vais écrire sur ce sujet. C'est souvent le fruit en fait d'une réflexion qui est beaucoup plus longue. Et par exemple pour la décision, si je veux être tout à fait honnête, ça remonte à 2001. Moi, j'avais le mari d'une de mes connaissances qui était mort dans les tours. Ça nous avait beaucoup, beaucoup marqué. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Puis, 2007, j'ai assisté à l'un des premiers procès pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste d'un djihadiste, d'un des premiers djihadistes français. Et dans la salle d'à côté, on jugeait les caricatures de Charlie Hebdo.
Et ça m'avait beaucoup marqué parce que devant la salle d'audience, il y avait des jeunes hommes qui vociféraient contre les journalistes. Et je me disais, quand il y a eu les attentats après de Charlie Hebdo, je me disais, en fait, tout s'est joué déjà devant cette salle d'audience, cette violence, cette haine, et on n'a rien voulu voir. Donc en réalité, ça fait très longtemps que je réfléchis. D'ailleurs, dans l'invention de nos vies, il y avait un personnage de djihadiste qui partait en Afghanistan. Et ça fait longtemps que j'essaye de comprendre, sans comprendre d'ailleurs, malheureusement. On essaye, on tâtonne, mais on ne comprend jamais vraiment ce qui peut pousser un Français à prendre des armes. Et alors, avant de céder la parole au public, aux spectateurs, le livre sort en janvier. Ça fait quoi pour un écrivain de sortir un livre, disons, en différé par rapport à la rentrée littéraire de septembre? Vous préférez cette option ou... J'étais très heureuse de sortir à la rentrée de janvier. D'abord parce que j'avais été très gâtée pour les choses humaines. J'ai eu 2 prix littéraires, donc je pense que c'est bien aussi de... voilà, chacun son tour. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est que le livre était quasiment prêt. Enfin, il aurait pu sortir un petit peu plus tôt. Et je ne voulais pas qu'il paraisse avec le début du procès du Bataclan. Oui, parce que même si c'est une fiction... c'est quand même une fiction qui est inspirée du réel et par respect pour les familles, pour les protagonistes de ce procès, j'ai voulu sortir en différé. Je ne l'ai pas repoussé plus parce qu'il va y avoir Nice en septembre. Ça va être un procès, à mon avis, très, très dur. Mais donc janvier, c'est très bien. S'il y avait Michel Houellebecq, c'était bien. Je l'ai suivi. Merci beaucoup, Karine Thuil. Merci à vous tous d'être venus.